Eh bien, re, et bonjour, bonsoir la Funky, c'est Funky Black au micro, nous revenons, et oui, je suis de retour pour le match face au Toronto Raptors, on va jouer contre les Tabernacles de Toronto, même si ce sont pas des Québécois, enfin je crois pas que c'est en territoire québécois, hein, Toronto, mais bon, j'aime bien faire avec l'accent québécois, c'est plus emblématique pour nous, un Français du Canada. Enfin bon. Alors, comme vous le voyez au niveau des classements, les Nets sont passés devant, nous on a raté une bonne occasion de revenir. Enfin bon, c'est pas grave, en plus on a le match là ici, retour face au Toronto Raptors, je sais pas si je vais vous le faire en vidéo. De toute façon on verra bien, mais c'est parti pour le match face à Toronto, allez hop, match suivant. Le match juste avant le All-Star Weekend. C'est parti, bon. Alors, ce match est plutôt important, ce serait bien qu'on le gagne. Et ce match est important, ce serait bien qu'on le gagne. Alors, est-ce que j'ai des choses à vous dire? J'ai rien d'autre à vous dire, hein. Vraiment, je vous le répète encore une cinquantaine de fois. C'est que je le fais à la suite, vraiment à la suite du dernier match face aux Clippers. Ce serait bien qu'on batte Toronto parce que c'est vraiment un adversaire direct. Là, c'est un match important. On est vraiment dans les matchs importants pour les playoffs. Il faut vraiment qu'on se mette bien là. La double confrontation là contre les Raptors va être très important. Vous voyez, Rudy Gay qui est parti pour Toronto. Ce qui nous a tous surpris. Enfin, moi, ça m'a quand même un peu surpris. Rudy Gay, quand même, qui à la base était à Memphis. Hein. Je crois bien, oui, à Memphis. Et qui est maintenant. Et aux Raptors de Toronto. Récupérer les ballons perdus et sa spécialité. Sa vision du jeu crée des opportunités en attaque. Un joueur rapide, sachant anticiper. D'accord. C'est contre lui que je vais devoir défendre. Super. Là, le jeu, il est en train de me dire. Méfie-toi, tu vas te faire niquer. Enfin, voilà. Allez, hop, passe pour JR. Et ses shoots impitoyables. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Comme du fromage. Ce jeu de mots était absolument naze. Oh, ce shoot est réussi. Ça fait 2-0 au début pour Toronto Raptors. Ce shoot de la mort qui tue et qui est foiré. Bon, là, il faut quand même que je me concentre un petit peu parce qu'il faut pas que je fasse à n'importe quoi. Oh là là, la défense. J'étais là en défense, ah oui, merci, belle défense. Même si c'était un peu. Le gars aussi, il fait. Ah oui, le gars, quand même, il est grand, on dirait, il fait 3m50. Enfin, bon. Allez hop, JR. Je suis là, JR. Voilà. Tu coupes. Ah non. Zut. En plus, il n'y a pas eu de perte de balle pour moi, ça va. Il pense qu'à sa gueule. Bah oui, un petit peu. Laurie. Comme Hugh Laurie. Seuls les fans de Dr. House savent de qui je parle. Bon. Alors merci JR. Hop, la passe longue. Attendez à ce qu'il décoche peut-être après. Bon, il va créer son action. Oh la faute. Bien joué en plus Simon. Oh, hey, Carmelo Anthony. Plus beau pourcentage de tir en carrière en 2012. C'est pas grave. Face à 34% quand même, ça fait mal au cul. 6-3, bon, c'est mené quand même de 3 points. Faut qu'on calme notre sexe et il faut qu'on y aille à fond. Allez, contre-attaque. Oh, wow, je l'ai eu. JR, oui, allez, dunk. Boum. Mais oui, ça ne rigole plus. Regardez-moi ça. Hop. Et boum. Si JR Smith et ses dunks impitoyables. Oh, yeah. Allez, Laurie. Oh oui, bien joué. Oui, bien joué pour se rater. Autant le dire que c'est bien joué. JR Smith, dommage, je m'attendais à ce qu'il fasse un petit fadeaway. D'accord, je me bats contre un Golgoth là. Allez, Chandler. Dommage.
Dommage, dommage, dommage. Allez, recule, 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 recule. Oh là 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 là. Oh, ouf. Oh, il nous a mis une double feinte. En plus, il a obtenu la faute, le point et tout. Non, il a tout eu. Il a tout eu, le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, il a tout eu. Oui, je sais, c'est complètement, complètement gratuit. Oh oui, j'ai vraiment, vraiment, vraiment fait attention à bien le shooter celui-là. J'ai vraiment dégoûté encore de la défaite face aux Clippers. Bon, c'est pas grave, on s'en fout maintenant. Le match est passé. Ce shoot, je vais m'en rappeler longtemps. C'est bon. Allez hop, je suis là, voilà, J.R. Smith, je te laisse monter, je tente le alley-oop qui ne passe pas. J'ai pris vraiment des risques sur ce alley-oop, mais j'ai tenté quand même le coup. Hop là. Oh le dunk. Si on est quand même de 3 points. Le côté des Raptors joue plutôt bien, hein, je veux te dire. Bon, c'est pas non plus pour rien qu'ils soient aussi bien classés. D'ailleurs, c'est une surprise, forcément. Les Raptors, c'est pas la meilleure équipe de la ligue. Oh, 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 oh là, j'ai une prise à deux sur moi là. Ah non, c'est juste Jason Kidd. Dommage, dommage, dommage. Là, je joue beaucoup perso. Là, ça peut me porter préjudice. Là, faut que je revienne à mon jeu habituel, quand même un peu plus altruiste que ça. Je lève les bras. Lève les bras en l'air. Lève les bras en l'air. Oh, allez, envoie la baballe pour le Funky qui va remonter la boule. Il dribble, il dribble, il dribble, admirer un peu les kits. Et ben justement, c'est pour Jason qui me fait un superbe pass et boum! Regardez-moi ça, c'est 1-2 avec Jason. Il m'a donné un peu de sa puissance pour que je puisse réussir ce shoot. C'est très saillant cette histoire. Shoot qui ne rentre pas. Allez hop, tac, je l'ai. 3 points en contre-attaque. Ah, c'est dommage. En plus, j'aurais dû attendre un petit peu. Parce que c'était le shoot de finale, j'ai pas fait attention. Oh, oh non, il faut pas qu'il rentre. Non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Bon, t'y as cru, t'y as cru. Alors 13 à 11, il mène que de 2 points. Donc ça va. On peut dire que ça va. Alors, début du deuxième kicker, attends. Aïe! Mais aïe! Tu me penses pas dessus comme ça, voyons. Mais J'aime pas les écrans, ça fait mal. Ah, 15 à 11. Quand même, hein, ils essaient de garder de la distance par rapport à nous. Hein. Mais bon, on les lâche pas d'une semelle. Allez, je te donne un écran qui était à moitié réussi. Alors ce shoot en fait de way qui rentre. Ah là là, j'ai quand même qu'à 6 points et une passe décisive, hein. C'est pas beaucoup, 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 beaucoup. J'ai fait que le premier quart temps. C'est pas non plus. Voilà quoi. Attention, DeRozan qui shoot, je vais être là au rebond, mais non, Carmelo m'a pris la boule, mais c'est pas grave. Je t'ai vu sur le côté, Stouty. Ah, zut. Mais bon, heureusement, à la fin, il l'a mis. Non, il l'a pas mis. Oh non, JR. Oh non, bah il va le rentrer, lui dire. Allez, boum. Voilà. 17 à 13. Oh, j'ai oublié d'augmenter les stats de dunk. Zut. Zut de flûte et flûte de zut. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'y penser à la fin de ce match. Rien que pour quand même le Rising Star Challenge. Je sais pas si je vais être All-Star Game, ça m'étonnerait. Oh, ce shoot raté. Ce shoot a raté. Ah non, des recettes. Oh là 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 là. On est en train de se faire bouffer. On est en train de se faire bouffer. Je sais pas pourquoi. En plus, il n'y a pas grand chose de plus à Toronto de spécial là.
Mais dis pas que Rudiger fait tout changer, non? Un joueur ne fait pas ça, même si Rudiger. Même si Rudiger est un bon joueur, même un très très bon joueur. Hop, le double pas et ça rentre. Allez hop, dans les fesses. Ouais, il me fait sortir. J'espère que d'ici là, les coéquipiers auront fait mieux. 23-21, bon, au moins on les a pas lâchés. Allez, Novak, je suis là, voilà. Là. Oh, il est passé devant. Juste au moment où j'ai face, il passe devant. Quel enfoiré. Je lâche pas le oui. Ah non, je l'ai dépassé un peu. J'ai pas fait attention. Point super de balle. Fait chier la praline. Ah. Tiens, prends ça dans la gueule. Ah zut. Allez, Carmelo, allez, Carmelo, allez, Carmelo. Oh, c'est... Ah, bon, là, je vise plus la victoire que les statistiques. Là. Maintenant, je m'en fous de mes statistiques. Tout ce que je veux là, c'est gagner. Parce que là, c'est important. Il faut quand même qu'on soit au playoff. Ce serait dommage de ne pas y être. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh la défense. Oh. Et on l'a écrasé. On l'a, et surtout Studi, quoi. Il l'a écrasé la face. Ouais, blablabla, je sors, c'est la première carton. Ouh, purée, 34 à 25. Ils mettent de 9 points. 9 points. 9. Me dis pas qu'on va encore perdre. C'est juste quand je fais les vidéos, quoi, qu'on commence à perdre. C'est quand même dingue. Y'a un problème. Ouais, Laurie, bravo, avec sa tête de couche. Il est énervé. Mais bon, allez, on passe. Voilà, rapport de mi-temps. Voilà, voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, ouais, la tour Eiffel, ouais. La tour Eiffel. N'importe quoi, mais non, tout le monde sait que c'est l'Empire State Building. Non, je déconne, c'est la... C'est la Statue de la Liberté, je sais, Statue of Liberty. C'est bon, allez hop, contre-attaque. Hop, la passe, allez hop, dunk, boum. Oh là là, j'ai vu tout de suite qu'il allait s'arracher. J'ai vu tout de suite que sur ce coup-là, il allait s'arracher. Ça s'est marqué 20, 250 passes décisives réussies, d'accord. Bah, c'est bien. Encore un accomplissement. Comme ça, je vais pouvoir augmenter mes stats comme il faut. Et ça, c'est cool. Le shoot qui rentre pas, oui, bien joué. Allez, Chandler. Oh, oh, il est sorti d'où ce type? Putain, non! En plus, tous les points que je perds, quoi. J'ai fait 3 pertes de balles. Non, mais pff, pas vrai, ça. C'est pas vrai. Moi, je crois que j'ai plus record de mode bon joueur. Et ça continue comme ça. À chaque fois que je record des modes bon joueur, ça se passe mal. Alors que quand je joue tranquillement et tout, y a pas de soucis. C'est vraiment le truc à savoir. Hein. Pour ceux qui ne font pas de vidéos et ne peuvent pas forcément savoir, mais quand on fait des vidéos, c'est vraiment différent que quand on joue tout seul. Hein. Y a beaucoup plus d'attention. Y a beaucoup plus d'attention sur le jeu. Y a pas besoin de parler. T'es vraiment concentré sur le jeu. Tu ne vois que ça. Alors que quand tu fais des vidéos, y a vraiment être concentré pour que la vidéo soit aussi intéressante. En plus, je fais une faute. Merde! Putain, j'aurais pas dû sauter, quoi. Bon, allez, sors-moi, je crois que j'ai vraiment bougé. 48 à 36. Parce que le match est mort. Pour Funky, le match n'est jamais mort. Jamais. Tempérament d'anglais. Tenez, dans votre face. Boum, voilà. Je vous prouve que le match n'est pas mort. Le match n'est pas mort. Ah. Je vous jure que cette victoire, je vais l'avoir. On va les battre. Oh, bien joué, Carmelo. Montre-leur un peu. Il est temps de leur montrer là. Merde. C'est pas des Canadiens qui vont nous avoir. Zut. Pas que j'aime pas les Canadiens, mais ce sont des Canadiens. Quel gros connard, quoi. Non, non, mais je veux dire, bon. C'est pas les Tabernas qui vont nous avoir. Hein. Même si je sais que ce ne sont pas des Québécois. C'est pour le lol. C'est bon. Rebond, rebond. J'ai cru qu'ils allaient le foirer. Et le pied. D'un côté, mon dribble était un peu zarbi. Felton, tu vas me repasser le ballon, voilà. Ça shoot à 3 points qui est plutôt pas mauvais, mais non, je l'ai complètement foiré. Quatrième carton, il va falloir se déchaîner, hein, sérieux.
Eh, defense, defense. Oh là là, non! Oh, c'était juste hein, quand même. C'était. Oh! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Ils, ils interceptent des balles, laisse tomber la neige, quoi. Je crois qu'on n'a jamais eu de match record comme ça avec un écart aussi long, enfin en termes de défaite. Hein. Je crois que c'est une première. Oh oui, Melo! Oh oui, Melo! Oui, très bien joué, Melo. Allez, faut récupérer, il faut essayer de récupérer le ballon là. Forcément, ils attendent un peu pour faire la dernière action. Et à la faute sur interception, bravo. Ah, zut! Ah, j'ai vraiment nul aux interceptions, laisse tomber. Je me demande si j'aurai assez de temps pour shooter. Non. Cours! Oh, ce shoot à la fin, non, non. J'ai quand même tenté le coup, mais non, je suis pas assez véloce. 52 à 41, il nous mène quand même de 11 points. Jour de la Saint-Valentin, qu'est-ce qui se passe? Chris Paul va affronter qui? Kobe, ah oui, c'est le match. Ah, on passe au Uncontainable Game, il est pas intéressant parce que ça ne nous concerne pas. Ah, zut, j'ai passé trop vite. Ah! Pardon les gens, même moi je voulais voir ce que c'était. Mais bon, j'ai pas vu. Tant pis, si vous voulez vraiment voir ce que c'est, vous faites pause. Hein. Oh, ouh! Non, Carmelo, en plus t'aurais pu continuer quoi, t'as assez de puissance pour continuer après. T'es pas l'un des meilleurs joueurs de la ligue pour rien, merde, non? Oh, le passage en force. Très bien joué. C'est qui a fait cette prouesse défensive? Je crois que c'est Kidd hein, qui a fait cette prouesse défensive. On a vraiment besoin de ce genre de choses. Allez, un écran que j'ai complètement foiré au niveau du positionnement. Ce shoot de Melo qui passe très bien. Allez, maintenant on se déchaîne. Faut y aller là. Maintenant faut y aller. Ah, ils l'ont marqué. Bon, c'est pas tout ça, mais ça m'énerve. Shoot à 3 points qui rentre pas. C'est quoi ce. C'est quoi ce in and out de chiasse? C'est un in and out de. Oh! Non, non, on est en train de se faire éclater. On est en train de se faire éclater. Je savais pas que Toronto était aussi fort. Ça aurait pu même compter comme un match spécial. Boum! Allez! On lâche pas le gras. On a 3 minutes 48. C'est remontable. C'est remontable. Il faut vraiment se donner, les gars. Là. Faut y aller là. Bon, je suis un peu en mode coach, un peu en mode capitaine, mais bon. Faut quand même les secouer un peu. Allez, les gars, faut y aller. Merde. J'espère que le coach va pas encore faire de conneries au niveau de ses choix. Oh, c'est bon, allez. Autre attaque. Je la passe pour Carmelo. Allez, Carmelo, fais ton boulot. En plus, ça rime. Oh oui, pouh, Carmelo Anthony. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Un cœur vaillant, rien d'impossible. Oui, bien joué Chandler, récupère le ballon. Oui, bien joué. Très bien joué, très très bon, très très bon, très très bon. Très très bon ça. Mais pourquoi t'es pas monté? J'aurais fait un alley-oop. J.R. Smith, il m'avait suivi sur ce coup-là. Il m'a pas suivi, je me demande pourquoi. Hop, un petit. Hop, un shoot qui ne rentre pas, fait chier. Heureusement Chandler est là. Allez, Studi. Oh, il s'est fait contrer. Il s'est fait contrer. Ah, zut. C'était vraiment pas le moment de se faire contrer en plus. Hein. En plus, ils sont en train de bouffer le chrono là. Ah, chier. Oh non, 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 je suis. Oh, j'ai donné mon cul, j'ai donné mon cul. Oh, j'ai récupéré le rebond. Allez hop, c'est parti, contre-attaque, contre-attaque, contre-attaque. Allez, je m'entête. Ah non. Comme en tête de raquette. Ok, c'était nul. Oh là là, en plus, je suis en train de faire n'importe quoi. À cause de moi, je suis en train de condamner mon équipe. En train de tenter des trucs. Ils sont en train de bouffer le chrono, ces connards. Allez, chopez-les. Ah, regarde-moi ça. En plus, il a mis à 3 points. Ah! Plus j'avance et plus forcément je me dis que le match est mort.
Mais arrêtez quoi, il est l'autre là. Il devait rentrer celui-là. Oh, en plus je vais me faire lâcher dans les commentaires, ils vont me dire tu tentes trop de 3 points. Oh gueule. Là je suis énervé, bon voilà je suis énervé, c'est sur le coup de l'énervement. Oh oui, allez. La passe pour JR. Ah, JR, en plus, il avait tenté un dunk. Je le sentais dans ses yeux qu'il avait tenté un dunk. Enfin, bon, ce match est terminé. On a perdu. Non, non, non. J'ai dit que je l'arrêterais. Oh, 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 oh mon dieu. Oh mon dieu, ce dunk. Oh mon dieu, ce Tomar. Le DeRozan. Oh là 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 là. Non, mais non. On est en train de se faire lyncher. C'est bon. Je tente encore à 3 points, qui ne rentre toujours pas. Pourtant mon timing est bon, je suis désolé, mon timing est bon. Laisse tomber. Ah bah voilà, il rentre. Bon. Deux matchs complètement foirés, JR Smith aux 3 points. Ça ne rentre pas non plus, même JR Smith il est pris par le par la malédiction du 3 points. Et bon, tout ce qu'on peut faire maintenant c'est limiter la casse. Et franchement ça nous fait vraiment mal pour les playoffs, ça, nos deux défaites là. C'est dingue, hein, dès que je recorde ça se passe mal. C'est quand même dingue. Hein. Allez hop, on passe. Et ça rentre. C'est maintenant qu'on commence à rentrer des ballons. Quoi. Oui, je suis dégoûté. Et alors? Allez, voilà quoi. Le match est raté bêtement. Quoi. Le match est raté bêtement. J'ai bien sûr ma responsabilité dedans, mais le match est raté bêtement. Au moins, je vais essayer quand même d'obtenir des points. Ouais, raté. Bon bah c'est la défaite hein. Félicitations, même si j'ai fait un bon match. On a perdu. Oh là 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 là. Pourtant le match du Funky. Oh, prestation médiocre. Voilà, ça c'est dit. Regardez-moi ça. 0 partout. 0, 0, 0, 0. Voilà, hop. Ça veut dire ferme ta gueule. Ton match était naze. D'accord. Ok, pardon, le jeu. Même si le coach m'a félicité, le jeu m'a dit non, non, ton match était de la merde. Quitter. J'ai augmenté mes statistiques au dunk. Ouais, et puis on va se quitter là. Quoi, qu'est-ce que tu veux, toi? La ligue vient tout juste d'annoncer que vous ferez partie du All Day. Oh! Je suis All-Star? Oh putain! Le All-Star, All-Star Game, All-Star, All-Star! Non, sérieux, là, c'est une surprise. Putain. Enfin, attends, il s'agit d'une récompense logique pour votre saison. La vie est pleine de surprises. Putain. Si je voulais que le fan baisse, je m'en fous. Mais sérieux, là. Je sais que je fais une bonne saison, mais pas à ce point-là. Ça veut dire que j'ai le Rising Star et le All-Star Game. Eh ben, vous aurez droit à de la vidéo, les gens. Évidemment, ce sera pas du même acabit que la dernière All-Star Game que j'ai fait avec le Battlestar, évidemment, au niveau du montage et tout. Mais je vais le faire. Et puis, à mon avis, je vais pas beaucoup. Je vais jouer 2 minutes, vite fait, voilà. Je veux dire, voilà. Voilà, All-Star. Ah bah non, je suis pas là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah bah si, je suis là, Black Funky. Première apparition, je suis là. Et bah donc, je suis surpris. Comme ça, aussi, vous voyez qui est All-Star Game. Que du beau monde. Enfin, je veux dire, je suis surpris. Il y a 2 joueurs de New York, 2 représentants de New York, 2 représentants des Pacers, Paul George et Granger, Narmol. 2 représentants des Clippers. Voilà. Ok, et je suis au Rising Star Challenge aussi. Oh, plus je baille. Est-ce que je participe à un concours? Et le concours de dunk, et je joue au concours de 3 points. Même si je suis vraiment très nul au concours de 3 points,
C'est normal que J.R. Smith déjà y soit. Avec tous les 3 points qu'il plante. Mais bon, je suis très mauvais au contre 3 points. Je pense que je vais vous faire en vidéo, évidemment. Je vais vous le mettre peut-être à la mi-temps, comme l'a fait à la Coach Jordan, quoi. Peut-être vous la mettre à la mi-temps du All-Star Game, comme ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire en plus? Oui, je voulais vérifier quelques petits trucs. Mais avant ça, amélioration de joueur, attribut. Je vais monter mes dunks. Voilà, je le mets à 51. Normalement, maintenant, je pourrais faire des dunks. Et puis, qu'est-ce que je veux augmenter maintenant? Niveau défensif, je vais rien augmenter. Niveau physique, bon, il y a un peu vraiment d'augmenter. Et niveau mental, capacité à enchaîner les tirs réussis, ça me ferait du bien. Moi, souvent, ce que j'augmente, c'est que j'augmente par bloc. Genre que j'augmente vraiment beaucoup la régularité, puis après, quand j'aurai des points, j'augmenterai beaucoup, je sais pas, l'attaque, des trucs comme ça. Moi, parce que, comment j'augmente? Bah, j'augmente surtout par bloc. Je répartis pas, moi. Et puis, maintenant que j'ai augmenté, si on regardait vite fait les titres. J'ai frustré d'avoir essuyé une ancienne défaite de suite. Les Blazers, avec après 10 matchs, plutôt. Les Bulls, mais discrètement. Ah oui, c'est vrai! Dwight Howard n'est pas sélectionné pour le Star Game. Je suis désolé. Enfin voilà, c'est marrant quand même. C'est marrant. Oh, je suis tombé 3ème au niveau des meilleurs passeurs. Je suis toujours 2ème meilleur shooter. C'est bizarre quand même Dwight Howard, c'est quand même rare. Hein. C'est vrai, c'est rare qu'on le voit pas au All-Star Game dans le jeu, évidemment. Oh, il est blessé, Kobe. Oh, Bynum est blessé. Aussi. Très grosse blessure pour Ginobili. Grosse blessure aussi pour Ibaka. Ray Allen. Aussi grosse blessure pour Ray Allen. Oh, Ruby aussi est blessé, c'est dommage. C'est dommage. Ça veut dire, elle va pas pouvoir participer au All-Star Game. C'est con. Okay, d'accord, au niveau des blessures, il y en a pléthore. Au niveau du classement. Ouais, on est 3ème, on s'éloigne un peu des Nets et des Raptors. Ce qui n'est vraiment, mais vraiment pas bon. Je regarde vite fait les réseaux sociaux. Ouais, t'as pas tort, Sierra 68. Tu n'as pas tort. D'ailleurs, en parlant de Twitter, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Twitter. Hein. Maintenant, je vais être un peu plus actif sur mon compte Twitter. Je vais vous informer un peu des vidéos qui vont se passer et tout, voilà. Et puis, je vous invite à vous abonner sur mon compte Twitter pour savoir comment ça se passe au niveau des vidéos. Comme ça, vous savez quand elles sortent, ce que je fais pas. Enfin, voilà. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, je vous conseille de vous abonner à mon compte Twitter pour avoir plus d'infos sur ce qui se passe sur ma chaîne. Et bah maintenant que je vous ai dit de vous abonner à son compte Twitter, je peux enchaîner sur le au revoir à tous, sur le vive le funky, et aussi sur, vous n'êtes pas vous abonner, de laisser du pouce vert, petit pouce vert, j'aime les pouces verts, je like les pouces verts, je mange des pouces verts tous les matins. Et regardez-moi ça, meilleur au point, meilleur au niveau des passes, rebond évidemment je ne suis pas là, c'est normal. Alors, ciao à tous, vu le funky, on se retrouve pour le prochain match, pour le All-Star Game, voilà. Je vais vous faire le All-Star Game, allez, ciao à tous.